Yahoo Bibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Comme tu auras pu le voir dans le titre, on est sur l'ouverture du calendrier de l'Avent manga. Donc je le redis au cas où pour ceux qui ne le savent pas, chaque année, enfin pas toutes les années, mais j'ai eu plusieurs calendriers de l'Avent sur le thème manga. Il n'y a pas que, que des bouquins manga, mais il y a aussi des goodies. Ce qui explique très clairement les deux niveaux de taille de trucs. Donc devant c'est des goodies je pense et derrière c'est des mangas. Juste si jamais tu veux savoir comment je m'organise etc. tout sera ici. Je tiens à préciser qu'il y a des fois où c'est nature peinture, hein, sans rien du tout sur la toile. Hein. D'autres fois où je serai maquillée etc. Là honnêtement on est le 1er décembre, je rappelle au cas où. Ça fait pile une semaine que j'ai été opérée, vu que j'ai été opérée le mercredi 23, on est le jeudi 1er. Donc forcément, voilà. Et que mes bras ne sont pas entièrement cicatrisés, etc. Je vous ferai un petit, je pense un jour, je vous montrerai juste ce que ça donne au niveau des pansements. Slash aperçu des bleus, mais je ne te montrerai pas les cicatrices, même si elles sont très propres et très jolies. Et... très discrète, mais juste que tu vois en fait la galère là actuelle au niveau des bras. Et pour te donner une idée, j'ai le droit de porter par exemple des bouteilles de 32 centilitres, mais pas de 50 centilitres, car c'est trop lourd. Donc voilà, donc même je m'étais même demandé à un moment donné, mais on avait déjà tout acheté presque. Enfin, on m'avait dit que c'était presque fini, que j'ai envisagé d'annuler le calendrier de l'Avent en me disant, mais en fait, je vais pas pouvoir les attraper les trucs et ça va me faire mal, etc. J'irai doucement quand je vais attraper. Et puis voilà, tout simplement. Donc si la suite t'intéresse, je t'invite à continuer. N'hésite pas à me dire si ça te plaît et si du coup on doit envisager ou pas pour l'an prochain. Donc on a 1, 2, 3, 4 en petit, 6 en petit, mais le 5 c'est un gros. Mais le 5 c'est lundi. Ah donc cette semaine on n'a que des petits. Bon bah tant pis. Ouah. C'est bon, si je me tourne bien, c'est bon. Et cette année, on a fait quand même un effort. J'avais acheté ça il y a un ou deux ans, je crois. Et on ne les avait jamais mis. Parce que c'était fait pour autre chose à la base, et voilà. Je ne sais pas si on a bien vu, mais en fait, les numéros sont en vert pailleté. Donc, je ne sais pas trop si on voit très très bien, mais bon. À chaque fois, j'ai en fait la moumoute là, qui s'accroche à mon piercing. Donc, voilà. Bref. Mais là, d'avoir plusieurs choses et j'ai aperçu plusieurs emballages. Ouais, il y a plusieurs. Oh ! Le panda dans Jujutsu Kaisen. J'ai pas encore regardé vraiment Jujutsu Kaisen. Il faut que je vous explique d'ailleurs la petite mésaventure avec cette série. Et là, tu vois, par exemple, ça me fait un peu mal de tirer et de vous montrer l'objet. On dira... Non, c'est pas un bonbon. J'ai cru que c'était un bonbon, mais non. Ou un chocolat, mais... Hinata dans IQ. Aïe, 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 aïe. Ça fait bobo. Ça tire. Ça tire sous les bras. C'est en fait pour vous donner une idée, on va dire que ça c'est un bras et là c'est l'aisselle. J'ai du coude et vraiment au niveau du coude jusqu'à l'intérieur de l'aisselle qui est, où il y a une cicatrice. Donc ça tire un petit peu dans ces cas-là. Oh. Ah oui, c'est bien ça. Je suis joie. Oui, vous avez pas du tout. Je crois que vous avez même pas vu. Je sais pas si vous comprenez ce que c'est. Mais c'est un collier. Non. Attends. Là, on ouvre là. Ok. Et même par exemple. Ah bah ça s'est tout déchiré. Bon, par exemple, arracher un bout de pain, ça me fait mal. Ouvrir ma boîte de biscottes, ça me fait mal. C'est des trucs comme ça, donc c'est horrible, mais voilà. Bon, je vous aide, pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Voilà, c'est le collier dans Yu-Gi-Oh! Bon, je suis sûre que la moitié des cons vont me dire que c'est un œil de truc là, je sais plus ce que c'est là, enfin voilà. Ouais. Ça tombe... au-dessus de... Attends.
Ah non, je peux pas te dézoomer, mais je peux te reculer par contre. Bon, tu verras le. Ça tombe comme ça. Voilà, au-dessus de poitrine. Au niveau des aisselles aussi. Voilà. Bah, tant que vous êtes comme ça, je vais vous montrer du coup ce que ça donne mon opération. Enfin, pas de gaffe. Enfin, faites pas gaffe au côté gauche parce que mon pansement s'est décollé sous l'aisselle parce que en fait c'est très compliqué à coller parce qu'il y a un virage dans la cicatrice. Et donc du coup ça s'est décollé, il faut que je recolle avec un autre pansement à mettre dessous. Donc j'ai des espèces de filets, ça c'est ceux que j'ai chipé à l'hôpital qu'on m'avait mis. Et bon, vous voyez le bleu, mais voilà en gros ce que ça donne au niveau du dessous de bras, voilà. Et éventuellement j'ai pas peut-être bien rasé mes bras ce matin parce que franchement, enfin ce matin, hier, parce que franchement c'est ultra galère de pas prendre avec la truc. Et donc voilà, tu vois, hop, et ça va vraiment sous. Voilà, là j'ai presque même pas de poils dessous parce que tellement que ça prend au niveau du truc. Voilà, j'évite de trop te montrer parce que je sais que enfin que de l'autre côté il y a les bleus très clairement de mes. Donc je suis désolée, j'ai remis le poncho tout simplement parce que me voir sans mes oreilles ça me perturbe énormément et je pense que ça a dû vous perturber un petit peu déjà. Bref, toujours est-il en ce qui concerne les vidéos, tu les auras donc le dimanche. Je vais voir là aujourd'hui, je vais poster un truc en story pour savoir en fait, si on fait le dimanche matin ou le dimanche après-midi, 17h comme d'hab, pour savoir justement ce que vous préférez avoir. Moi, de toute façon, le dimanche, je ferai exprès de le filmer tôt le matin pour pouvoir faire la vidéo. Et maintenant que j'ai la fibre, ça sera très très rapide à charger. Donc, il n'y a pas de souci au niveau de l'horaire du matin, ça ne me dérangera pas. Voilà. Bref, sur ce, je te laisse continuer la vidéo. Jour numéro 2, oui, même apparence, même décor et tout ça. Pas même tenue dessous. Mais ça change rien parce que ça ne veut rien dire. Mais bon. Bref, j'ai oublié mon téléphone, il est dans le couloir. Je suis en train de ranger un petit peu la maison. Donc, enfin, la maison, l'étage. Et je fais ce que je peux vu qu'avec mes bras. En gros, je peux déplacer des trucs jusqu'à 300 grammes. Après, on fait maman. Voilà. Bref, jour numéro 2. Hop. Demain, vous me verrez habillée, maquillée, tout ça, parce que demain, je filme des vidéos. On sera samedi, tout va bien. Moi, je vais filmer des vidéos le samedi. Donc, j'en numéro 2. Je t'ai pas montré le petit. Je suis pas sûre que ça vous intéresse vraiment, mais bon. Voilà. Je l'avais acheté à Centre-Accord, ça. Et je viens de me faire mal en levant le bras. On adore. Là, voilà. Je suis contente parce que je peux enfin dormir sur le ventre. Hier, enfin, la nuit d'avant, je pensais que je pouvais et je pouvais pas encore vraiment. Là, je peux enfin. Oh! Oh, ok, donc je sais d'où tout vient. Très français. Figurine en acrylique de My Hero Academia avec Izuku Midoriya, j'avais perdu le nom, à 8,99 €. Oui, aïe, je me suis encore fait mal sous le bras, c'est pas la bonne idée de faire ça. Bref, ça vient de. Alors, c'est Abyss Style, tu peux le retrouver sur Figure House et je pense. Soit ça a été acheté sur Figure House, mais ça m'étonnerait. Soit ça a été acheté, je pense, à Cash Game à Bordeaux. Moi, je l'avais acheté pour une personne. Qui était la personne qui m'a fait le calendrier de l'Avent. Tout va bien. Tout va bien. Donc la personne a eu la même idée que moi. Mais moi, c'est pas pour le calendrier de l'Avent. Mais bon. C'est pas pour le ho 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 non plus. C'est rien. C'est pour. Et un porte-clés de. Du coup, Midoriya aussi. Mais vu. Ah, je sais! D'accord. En fait, il faut savoir que je suis allée au restaurant en bol et qu'ils vendent des petits porte-clés comme ça. J'en avais choisi 4 et j'avais dit à grand frère Anto, je crois que c'était. Ouais, c'est ça, c'était grand frère Anto. Je lui avais demandé d'en choisir 2 et j'avais reposé les 2 et je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais en fait, grand frère Anto a dû choisir Midoriya. Donc, du coup, bah, il a fait un. Une personne qui me fait mon calendrier les a rassemblés ensemble pour faire un seul lot, ce qui est une très bonne idée. Et donc, merci grand frère Anto. Midoriya est un des personnages que je préfère, donc très bon choix. En même temps, j'avais choisi 4 personnages que j'appréciais. Mais, je suis content. Et puis là, c'est du coup, c'est grand frère Anto qui a choisi. Et ça, c'est top. Voilà. Donc, je te retrouve demain, super bien maquillée, super bien coiffée. Enfin, à ma sauce, à ma vision des choses. Et voilà, parce que j'ai 2-3 vidéos à filmer pour YouTube, pour Ibi Otaku.
Et je voudrais faire quelques TikTok pour surtout mon compte, mon modèle photo sur mon style vestimentaire parce que sinon je n'ai pas grand chose, je tourne beaucoup en rond et j'aime pas du tout parce que je pose surtout des montages vidéo, montages de photos de mes shootings. Sauf que comme je n'en ai pas fait depuis cet été et que j'ai pas récupéré les photos depuis cet été. Et eh ben, j'ai pas grand chose à proposer et j'aime pas poster les trucs là, les montages, photos et tout ça, j'aime pas trop. Donc voilà, donc il faut que je fasse des TikTok et Yahoo! Donc on est dimanche et il est 14h25. Je vais te montrer, mais je suis pas sûre qu'on voit grand chose sur l'écran. Si voilà, 14h25. On est dimanche, j'ai complètement oublié de filmer hier mon calendrier de l'Avent et à 18h j'ai une invitée qui vient dormir à la maison jusqu'à mardi et qu'en plus il faut que la vidéo soit prête à 17h. J'ai même pas commencé le montage. Donc, jour 3. Voilà. Tiens, c'est un petit sapin. Je suis pas sûre que ça intéresse grand monde, mais bon. Alors, hop. Voilà. Je pense qu'il y a encore une figurine en acrylique. Mais il y a autre chose. Non, je vois. Oh! C'est... Ah oui, d'accord, voilà, c'était ça qui était replié. C'est une figurine en acrylique de Haikyuu! Haikinata! Alors, pour savoir que j'ai juste vu 5 épisodes de l'anime Haikyuu. Pour plusieurs raisons, j'ai pas eu le temps de le continuer et je vais le reprendre là prochainement, techniquement. Et j'ai eu juste un gros coup de cœur pour Hinata parce qu'il est tout petit et tout ça. Et que justement, comment dire, bah je suis tout petit. On n'avait pas deviné! 1m53 ou 54, ça dépend. Hop là. Donc il y a le petit film, le plastique. Ouais. Non, je sais pas. On voit bien qu'il y a un truc sur le côté, mais bon. Je suis pas sûre que ce soit très important. Ça a l'air d'être à l'arrière, alors bon, ça a l'air d'être propre. On va dire qu'il n'y a pas de film, hein. Voilà. Un petit socle tout basique. Et oui, c'est de ce côté. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Et là, la question, est-ce que ça rentre dans mes étagères? On va un petit peu zoomer. Bon, c'est pas les éditions gazées ici, mais je pense que tu le vois. Attends, les éditions gazées, c'est là, donc je suis un petit peu plus zoomée et te faire un focus, ça va. Voilà. Hop. Le panda va me gêner. Je sais pas où on va te mettre, toi. Tu devrais d'ailleurs être partie, mais ta maîtresse ne m'envoie pas de message. Voilà. Et ça fait alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mangakas. Donc en hauteur, il fait la hauteur de 10 The Promised Neverland. Ce petit panda, je le mets ici. J'espère que tu verras la vidéo. L'Insotaku. L'Inseotaku. Il t'attend ce panda. Tu le sais très bien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et donc le pochon numéro 4, c'était un petit cœur. J'aime bien. Je trouve ça mignon. J'ai ultra mal. Encore une figurine en acrylique. Et... ah, il y a un porte-clés. Non, c'est pas un porte-clés. Oh, c'est des bouts d'oreilles. C'est des bouts d'oreilles, Nizuko. Mais en acrylique, j'ai déjà Nizuko. Oui, j'avais déjà acheté moi Nizuko. C'est Tanjiro. Je vais le monter avec vous, les autres. Je serais peut-être... oh, remarque, j'ai peut-être tout gardé comme ça de côté. Et je ferai une grosse vidéo ouverture des figurines en acrylique et tout ça dans le mois. Ça permettra de faire une petite vidéo décoration et tout ça. Quand j'enlèverai, en fait, si tu veux, après Noël, je pense genre le 25 ou 26, je vais tout dégager à la collection Noël, les décos de Noël. Et je mettrai tout ça en étagère. Là, j'en ai un, mais c'est tout.
Puis il y en avait eu une dans chaque jour. Donc il y a déjà 3 figurines en acrylique à installer. Et je n'ai toujours pas, pour ceux qui ont vu ma vidéo achat Animasia, je n'ai toujours pas ouvert ceci en vidéo avec vous. Je la garde pour la fin d'année, pour les derniers jours, parce que faut que je vous trouve des vidéos faciles à faire et rapides à faire, parce que en fait je viens d'apprendre, c'était quand même je crois le 29 ou le 30 ou un truc comme ça, je viens d'apprendre que où on allait fêter le nouvel an, donc forcément faut forcément je fasse ces vidéos à l'avance entre quasiment le 27 au 2 inclus. Donc voilà, on va regarder des petites vidéos comme ça. Si ça te plaît pas, t'es en repos, t'as plus d'ibi, et puis voilà. Bref, cette vidéo est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, comme tu connais la chanson, on like, on commente, on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésite pas aussi à me dire si tu veux que l'an prochain, on refasse un calendrier de l'Avent. Et l'an prochain, je vous prépare une surprise pour le mois de décembre. Je suis en négociation, là je commence les négociations vraiment officielles le 1er janvier. Mais je vous prépare du lourd pour l'an prochain très clairement. Donc j'espère en tout cas que vous suivrez encore l'an prochain. Et déjà si vous avez vu les anciens, n'hésitez pas à me le dire, les anciens calendriers de l'Avent. Voilà, sur ce.